importe, hein, bon. Et vous arrivez chez une dame qui a deux enfants qui sont sourds-muets, puisque je les gardais, et le papa qui est sicilien, qui ne parle pas un mot de français. Là, il y a un gros souci. Et quand il était évident qu'on était à l'école, mais comment peut-on apprendre à l'école qu'on fait toutes les tâches ménagères et que le lendemain, quand on arrive devant le tableau, le maître lui fait « Philippe, ça, et moi j'étais là ». J'avais peur, je ne pouvais plus ouvrir la bouche puisque je ne savais rien. Pourquoi? Parce que je faisais les tâches ménagères. Voilà. Par exemple, le mais, oui. Non, il n'a pas été à l'école. Pour certains, beaucoup n'ont pas été à l'école. Hein. D'autres ont été à l'école, d'autres ont eu cette chance. Je prends le cas de la personne dont je mentionne ici. Il était à la ferme, il n'allait pas du tout à l'école. Alors que moi, j'étais au lycée, pour moi, aucun problème. Ah, par exemple, pour mon cas, à 14 ans, on devait en apprentissage. Et ben, pendant mon apprentissage, je dormais au-dessus du fourni, je n'allais pas à l'école. Christine, non, en fait, elle parle d'une de politique et tout ça là depuis tout à l'heure, politique, bien sûr, voilà. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, par rapport à l'histoire de l'esclavage, ça fait seulement 4 ans que l'évoquer à l'école, à La Réunion, il y a encore 2 heures, je crois, 2 ou 3 heures. Et moi, à l'époque, on disait que les ancêtres étaient des Gaulois. Donc, ce que je veux dire, c'est que le combat, quand même assez long, et il y a quelqu'un qui disait ça tout à l'heure, je pense que il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur trouver un accord et que justement que toutes ces problématiques soient vues par tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas rester seulement sur un seul truc, quoi. Il faut après le problème par rapport aux enfants de la Creuse. Il est vrai que moi, il n'y a pas longtemps qu'il est au courant de ça. Hein. Il est vrai qu'il touche beaucoup aussi. On va se donner encore 10-15 minutes par plus.